Alors, le CESE a mis en place depuis quelques mois une cellule de veille pétitionnaire, donc ils regardent les pétitions et ils se sont aperçus dans ce groupe que plusieurs pétitions portaient sur les difficultés rencontrées par les familles en ce qui concerne leurs enfants et leurs jeunes en situation de handicap, au sujet de l'école, au sujet de l'accès aux soins, du coût des soins, et y compris une pétition qui attirait l'attention de la situation précaire et des difficultés rencontrées par les accompagnantes qui assistent les enfants en situation de handicap à l'école. Ces pétitions étaient assez nombreuses, portées toujours sur les mêmes types de difficultés. Et le CESE, le bureau du CESE, a donc décidé de confier à deux sections, la section de l'éducation et la section de la santé et des affaires sociales, le sujet pour que l'on puisse rapidement se mettre au travail et proposer des recommandations pour faciliter la vie de ces familles, de ces enfants et de ces jeunes. Après avoir auditionné à la fois les pétitionnaires et aussi les auditeurs qui nous ont aidés à mettre le point sur tous les aspects importants du thème de notre saisine. Donc on a essayé en tout cas de répondre à tout le monde et essayer de mettre en valeur les thématiques les plus fortes, celles qui en tout cas seront visibles de tout le monde et surtout qui répondront aussi à toutes ces associations que nous avons auditionnées, parce que malheureusement on ne peut pas mettre le point sur une plutôt que l'autre. Donc on a essayé de faire en sorte que celle sur laquelle nous allons travailler et mettre la lumière correspondra à l'ensemble de nos associations et surtout ces associations pétitionnaires pour lesquelles effectivement est partie notre saisine. Donc à la fois quelque chose d'assez important qui est le diagnostic, hein, le repérage du diagnostic très tôt, très jeune pour les enfants, de manière à ce qu'on puisse mettre en place tous les moyens utiles, à la fois outils, à la fois humains pour l'accompagnement de ces jeunes, ce qui nous ramène justement à se dire pourquoi pas, et c'est sur quoi nous on pousse en l'occurrence un coordinateur ou une coordinatrice unique pour les parents tout au long du parcours, ce qui va permettre justement aux parents de plus avoir 50 000 interlocuteurs, mais un seul qui va justement vivre l'évolution de l'enfant dans son handicap, dans l'évolution de son handicap ou pas, mais en l'occurrence quelqu'un qui aura suivi tout le parcours de l'enfant, du jeune, pendant toute sa période. Alors bien entendu, on a aussi la thématique qui est pour nous importante, parce que pour qu'il y ait accompagnement et pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse dans les normes et sérieusement, il faut que les personnes qui accompagnent, les AESH, puissent être formées, qu'elles puissent être aussi professionnalisées. Aussi, ça c'est quelque chose qui est énormément remonté et on sait que si ça, on arrive à le mettre en place, forcément ça aura des conséquences positives pour nos jeunes dans leur accompagnement, dans leur diagnostic, dans la parole ouverte aussi auprès des parents, mais aussi du système éducatif, etc. Tout ça aura un effet très positif, en l'occurrence pour tout le monde. Les pétitionnaires, mais aussi les professionnels de la santé que nous avons rencontrés, nous ont bien expliqué à quel point le reste à charge pour certains types de soins ou de thérapie est resté élevé, puisque l'assurance maladie ne prend en charge à 100% que le diagnostic précoce, c'est un forfait, mais tous les autres soins, ergothérapeute, kinésie, thérapeute, sont avec un reste à charge très élevé. Donc on a fait une série de propositions autour de l'accès aux soins, y compris en ville, et la prise en charge pour qu'il n'y ait pas de difficultés financières supplémentaires, puisque qui dit handicap dit souvent un des deux parents, quasiment tout le temps la maman, qui quitte son emploi pour accompagner au quotidien son enfant.